Yo les gars, nouvel épisode, nouveau vlog, vlog numéro 5, vlog de Noël. On est samedi 23 décembre. Et je m'en vais donc encore une fois dans ce fameux Eaton Center pour faire un petit cadeau de Noël. Faire un petit Secret Santa avec les copains, donc faut que je trouve quelque chose. Je n'ai aucune idée de quoi acheter. Je pense que je vais acheter genre une peluche. Bref. Je me tiens au jus dès que j'ai une petite idée. Là, faut que je trouve l'escalator parce que je crois qu'il y a un truc pas mal en haut. Là, de ce côté. Allez, c'est parti. Putain, quelle idée de merde venir un samedi, c'est blindé sa mère. On dirait un Cap 3000 Noël et plus d'or. Bon, je suis dans une librairie, je crois que c'est pas le bon endroit, mais. Vas-y, on verra. Je sais pas, je tapais plush sur Google, ça m'a sorti ce magasin. On sait jamais. J'allais dire, bah voilà, mais moi, nous, c'est le cadeau, c'est 20$. La peluche, elle en coûte 65. Bon, 25$, mais c'est moche. Bon, les amis. Hop, on va fermer la porte. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté une petite peluche Dumbo. Voilà, j'espère que ça fera plaisir. Et du coup, bah ça m'a coûté 10$. Donc vu que c'est un Santa Secret à 20$, bah, j'ai gagné de l'argent. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. J'ai acheté autre chose. J'ai acheté ça. Je suis allé voir la meuf, je lui ai demandé un cadeau pour 10$. Et du coup, bah, elle m'a donné ça. Du coup, bah voilà, j'ai mon petit Santa Secret. J'arrive pas à savoir si c'est un peu bien ou si ça pue la merde. Je vais pas mentir que. J'ai pas eu l'inspiration du siècle. Est-ce que je prends le risque de le salir? Ouais, je pense, en vrai, nique sa mère, on va mettre ce t-shirt. Juste, je vais lui passer un petit coup de truc à chat, là, parce que je sais pas pourquoi il est tout sale. Bref, on se retrouve, nous, avec le téléphone, parce que je vais pas prendre ma cam. Pour le début de la soirée, on va aller grailler chez le G, et après, on va en boîte, normalement, si tout se passe bien. Joyeux Noël, on est dimanche 24 décembre 2023 et c'est Noël. Il est 5h. Je me remets tout juste de la soirée d'hier. Puis là, ce soir, on va aller chez les copains, faire à manger. Et je vais prendre la caméra. Je vais vous prendre avec moi. On va faire un petit vlog soirée Noël. On est mardi 26 du coup, il est 6h et j'ai rendez-vous à 9h
pour aller voir James Hype à Rebel. Donc Rebel, c'est la boîte où on était samedi, vous avez vu. Avec Mathéus qui est un Brésilien que j'avais rencontré quand j'étais déjà venu. Grave le sang, et du coup on s'est dit bah vas-y on se fait un petit truc, James Hype. Ça va être lourd normalement, je suis un peu fatigué j'avoue. On se remet tranquillement de Noël. Hier, j'ai pas filmé, mais j'ai rien fait. Je me suis levé tard. Après, je suis allé chez Gillian. On a regardé du foot américain. Et c'est tout, quoi. Pas fait grand chose. Aujourd'hui, pareil, pas fait grand chose. Je me suis fait un gras et j'ai fait 2-3 courses. Bref, on va se retrouver du coup quand je le rejoins. Et voilà, je mets des petites photos, enfin, une petite vidéo de la soirée. Avec mon téléphone. Normalement, là, j'ai regardé un peu, la qualité est pas trop dégueu, ça va. Bref, du coup, je vais me préparer tranquillement. Je vais manger un petit coup. Mais j'ai pas faim parce que je me suis fait encore agréer à 4 heures, comme d'hab. Je dois le rejoindre dans 2 heures. Donc, on va se préparer tranquillement. On va chill. Et on se rejoint chez lui. Je sais pas si c'est chez lui, mais enfin, bref. Je vais avec lui chez des collègues à lui, je crois. On va boire un petit coup avant de se retrouver à Rebel. J'espère que ça va être bien, James Hype, quand même. 56$ le ticket. Il a intérêt à faire un show de plus de 30 secondes, quand même. Bref. Yes, sir. I'm happy to see you. Yeah, you too, huh? I'm looking forward to it. Good. A good thing, James. I felt it. Bon les amis, petite voix off pour faire l'outro de la vidéo parce que j'ai pas eu le temps de le faire et voilà, bonne année à tous, le vlog a un peu de retard, désolé. Maintenant 2024, il va y avoir un peu moins de vlogs, ce sera plus des trucs quotidiens que des trucs sur la semaine, ça va être plus des journées ou quand je fais des petites activités qui sont un peu stylées. Et voilà, bonne année à tous. Et on se revoit bientôt. Well, big size, French fries.